La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a été choisie pour participer pendant un an à un programme de formation en gestion municipale des maires triés sur le volet de partout dans le monde. Participe à ce programme. Au Canada, il y a aussi le maire de Winnipeg et d'Edmonton. Et Catherine Fournier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez toute la semaine à New York pour le début, le commencement de ce programme-là? Exactement. Je suis arrivée ce matin. Ah oui? Et c'était comment? Bien, c'était vraiment très stimulant, j'ai envie de dire ça, parce que c'est un programme qui est offert. En fait, c'est un partenariat entre l'Université Harvard et Bloomberg. On sait que Michael Bloomberg a été lui-même maire de New York pendant de nombreuses années. Ouais. Donc, c'est sa façon de redonner au monde municipal, parce qu'il faut savoir que c'est un programme qui est entièrement financé par la fondation de son entreprise. Ouais. Et on a eu l'occasion, avec 38 autres mairesses et maires, de bénéficier d'une formation intensive de professeurs de faculté le renommé Business School, Kennedy School aussi de l'Université Harvard, pour nous former, pour nous donner davantage d'outils en tant que leader, pour mobiliser nos employés, être plus créatifs par rapport à la lourdeur administrative. Oui. Qui est vraiment généralisé. Ce n'est pas juste des fois on se regarde au Québec ou ici en Amérique du Nord, mais c'est vraiment... C'était fascinant de constater à quel point les défis sont partagés, peu importe quelle ville, de quelle ville on est, que ce soit ici au Québec, que ce soit en Europe ou même... J'ai discuté longuement avec le maire de Nairobi au Kenya, qui a 36 ans, donc un autre jeune maire là-bas, puis qui avait quand même des défis très similaires puis des enjeux aussi qui nous touchent. Et donc, c'est pour devenir de meilleurs gestionnaires, de faire de vous de meilleurs gestionnaires, entre autres, non? Bien, c'est sûr que nous, on a un rôle encore plus, plus global que des gestionnaires. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que notre directeur général de la ville de Longueuil va également pouvoir participer au programme parce qu'une fois qu'on est choisi en tant que maire ou mairesse, on peut nommer deux personnes pour nous accompagner afin vraiment que les changements puissent s'implanter dans le monde municipal. Mais vous savez qu'on est mairesse, il n'y a personne qui a vraiment... Oui, il y a évidemment les électeurs qui posent un regard critique sur nous, puis qui ont le choix par la suite de nous élire ou de nous réélire le cas échéant. Mais au quotidien, c'est rare qu'on ait un œil extérieur sur les décisions qu'on doit prendre. Et là, maintenant, avec le réseau de maires et de mairesses auxquels on a accès, mais aussi aux spécialistes, aux formateurs, bien, on va avoir vraiment un accompagnement qui sera personnalisé. Puis ça, c'est sûr que c'est grandement utile dans nos positions. Et dans les défis, il y a la crise du logement. Vous avez parlé du zonage qui pourrait aider quand même à en créer plus. Est-ce que ça fait toujours partie de ce que vous regardez, ce que vous voulez? Et est-ce que de rencontrer les autres, vous vous êtes dit c'est la même chose ailleurs aussi? Exactement. En fait, il fallait qu'on choisisse une priorité clé au cours du programme. Pour ma part, c'était bien sûr la crise du logement là, en lien avec la montée de l'itinérance, tout ça. Puis je dois vous dire que la moitié des maires du programme ont choisi la même priorité. Donc, c'est dire à quel point c'est vraiment généralisé. C'est sûr qu'on a tous nos contraintes, que ce soit législatives, financières, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu plusieurs périodes d'échanges, puis même de consultations entre nous, à savoir qu'est-ce qui fonctionne dans votre ville, qu'est-ce qui fonctionne dans la mienne, puis de confronter aussi des idées, puis se pousser collectivement plus loin. Donc oui, bien sûr, la question du zonage a été largement abordée, puis j'ai même pu discuter avec certains maires qui avaient fait un peu la même chose en partie, d'autres qui n'étaient pas encore rendus là, puis qui ont trouvé très intéressante l'idée de Longueuil. Donc c'est vraiment un partage riche. Puis c'est vraiment ça commence. Vous y allez encore de l'avant avec ça? Vous avez vu que ça peut fonctionner? Oui, non, tout à fait. On va de l'avant. On travaille présentement sur un règlement. Donc, très heureuse d'avoir participé à ce 4 jours intensifs, mais comme vous l'avez bien dit, c'est un programme qui va s'étaler pour une durée d'un an, à raison d'environ 2 heures par semaine. Puis c'est sûr que ça va être davantage en mode virtuel, donc des lectures, tout ça, mais je suis très reconnaissante d'avoir l'occasion de participer à ce programme-là. C'est la 8e cohorte cette année. Vous êtes la première mairesse du Québec à participer Exactement, oui, non, tout à fait. J'étais fière aussi de représenter le Québec, puis de pouvoir parler de notre réalité propre aussi avec des maires de partout dans le monde. Je pense qu'on parle beaucoup de changement climatique aussi. Aussi, oui, avec la crise du logement, l'itinérance, le changement climatique arrivait en 3e position, la criminalité aussi, c'est sûr. Bon, ça dépend des différentes réalités. C'est sûr que les maires en Argentine ou en Colombie ont d'autres défis. Mais donc, c'était intéressant aussi de voir la perspective de chacun. Et en parlant de personnes en situation d'itinérance, vous avez
déménager un refuge? Comment ça se passe? C'est quoi la situation en ce moment à Longueuil? Bien, en fait, c'est qu'on a un refuge d'urgence qui se situe dans une église dont le terrain va être utilisé pour construire un projet de logement social. Le projet, donc la construction devrait débuter là, d'ici la fin de l'été au courant du mois d'août. Donc, à ce moment-là, il y aura déménagement. Ce n'est pas un refuge de la ville. Okay. Donc, le refuge a un bail avec l'église. Mais nous, ce qu'on a dit du côté de la ville, c'est qu'on mettait à leur disposition un bâtiment municipal parce que le lieu là, de chantier de construction, c'est pas adéquat. Puis c'est également pas dans... On délocalise, disons, dans un quartier qui va être plus approprié, jamais de situation parfaite, mais là, on est à côté d'une école, donc on est très sensible aussi à la réalité des parents, des familles, du secteur. Il y a déjà beaucoup de ressources aussi sur l'axe du chemin du Coteau-Rouge. Même d'un point de vue intervention clinique, les experts nous disent que c'est bien que les ressources soient un petit peu plus dispersées sur le territoire. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là également, avec l'urgence du chantier de construction qui nous a amené à présenter cette solution-là. Catherine Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous et amusez-vous et apprenez bien cette année. Oui, certainement, certainement. Merci. Merci beaucoup.